Courbin et Noah. Moi, je reviens de vacances là, je suis allée dans la région faire du ski. Pour la première fois de ma vie, hein. Le ski, c'est un truc de fou. J'avais jamais fait, hein, j'avoue. À la base, je viens d'un pays où c'est pas le sport national, hein. Sauf si tu skis avec un ballon. Bref, le ski, c'est bizarre, même, parce que même si t'as un bon niveau de ski, un truc qui m'énerve au ski, c'est que quand tu marches avec les chaussures de ski, sans les skis, t'as l'air d'un idiot du début jusqu'à la fin. Y a aucun problème, hein. Après, bien sûr, il faut les mettre les skis. Alors t'en as, c'est la classe, ils arrivent, clac, 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 clac. Ah ouais, elles sont où les glissades? Toi, tu fais juste clac, oh merde, tu glisses. Après, il faut se mettre en position. Position chasse la neige. Ah, t'as pas l'air con dans cette position, hein. C'est ça l'avantage, hein. T'as remarqué que quand t'es débutant, tu penses toujours que la pente, elle est trop en descente. Le mec, il dit, ouais, elle est trop comme ça. Eh hey, quoi, tu veux comme ça aussi monter? Alors, tu vois, t'es là, tu prends ton courage à deux mains, c'est la première fois de ta vie que tu vas skier, tu vois, t'es là, t'as le cœur fait boum, boum, boum. Et à ce moment-là, t'as un mec, il te fout la honte internationale. Il arrive comme ça, genre super skieur. Toi, t'es là, tu regardes et t'as pas décollé. Et ta copine, elle dit, oh putain, il skie trop bien! Tu vois de quel genre de mec je veux parler? Déjà, le mec, il est blond, 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 très blond comme ça. Avec des lunettes comme ça, que si toi tu les mets, on dirait une mouche. Ah, lui, il est beau gosse avec, et il arrête pas, et crac, crac, crac. Moi, tu vois, j'essaie, je suis débutant. Quand t'es débutant, tu sais pas comment éviter les gens. Tu voudrais dire poussez-vous, mais t'as les mêmes prises, alors tu dis poussez-vous! Arrivé en bas, remontée mécanique. Le tire-fesse. Tu connais le tire-fesse? C'est un truc, c'est jamais à toi de le prendre. Le mec, il veut pas. Non, celui-là, c'est pas pour toi. Mais il est vide! C'est moi qui décide, déjà pas. Alors toi, tu vois, t'es en suspense, tu te dis putain, ça va être à moi, il va me le dire, il faut que j'y aille et tout. Et quand il dit qu'il faut y aller, faut pas te louper.